Bon. Chaque année, à la fin du mois de novembre, une course éperdue contre la montre commence le long des 800 km de la côte est de Madagascar pour arriver à récolter environ 30 000 tonnes de litchi. C'est une période lucrative pour les familles malgaches productrices qui vivent près du seuil de pauvreté et qui doivent gagner plus d'argent pendant la période de soudure. Des milliers de collecteurs font les 6 heures de route de la capitale Antananarivo pour faire de l'argent facile, souvent au détriment des producteurs locaux. Mais tout le monde ne peut pas gagner à cette course. Le conducteur de ce camion-ci a de la chance d'être encore en vie. Son chargement est trop précieux pour le laisser pourrir et seulement quelques minutes après l'accident, les litchis sont récupérés. Les fruits sont récoltés et apportés au centre de collecte au bord de la route, où les collecteurs viennent les prendre pour les acheminer en ville. Le fruit est ensuite soufré avec du dioxyde de soufre pour le préserver, trié, puis mis en boîte. Il est ensuite envoyé au port dans des cageots, car la plupart des litchis sont exportés en Europe juste à temps pour la période des fêtes de fin d'année. En voyant le potentiel du marché des litchis, le PPRR est intervenu pour créer une filière pouvant bénéficier aux producteurs ruraux locaux et en même temps, mais aussi pour améliorer la qualité des litchis et assurer la livraison aux exportateurs. Ils ont connu un grand succès. Maintenant, Madagascar exporte les litchis et entre en concurrence directe avec les autres pays exportateurs. Au niveau mondial, Madagascar reste le grand exportateur du litchi avec le tonnage annuel de l'ordre de 30 000 tonnes. Mais depuis l'année dernière, Madagascar est concurrencé par l'Afrique du Sud parce que l'Afrique du Sud a pu mettre sur le marché européen le litchi à la même période que Madagascar. L'action de PPRR depuis l'année 2006, c'est de financer la mise en place de plateformes des acteurs des filières de litchi. C'est à travers de cette plateforme qu'on a organisé les litchi par rapport aux besoins des marchés internationaux et surtout par rapport à l'amélioration de la qualité et l'organisation de l'envoi des produits vers le marché européen. Comme tous les produits, ça commence avec les producteurs. Le PPRR a encouragé les relations avec le commerce équitable parce qu'il favorise le producteur et il a connu un certain succès. L'ONG AVSF sensibilise les producteurs aux exigences du commerce équitable. Les nouvelles relations avec l'Organisation internationale du commerce équitable, Éthicable, ont déjà permis d'enregistrer des résultats impressionnants. Les producteurs de cette région exportent 14 tonnes de pulpe de litchi et 84 tonnes de fruits frais, qui sont ensuite transformés en jus de fruits et en dessert avec le label du commerce équitable de Max Avelar. Les socio-animateurs ont expliqué aux villageois comment travailler avec les grands exportateurs et ils ont encouragé les producteurs à développer des liens avec les exportateurs internationaux, mais aussi avec le commerce équitable. Afin de coordonner l'action au niveau local pour améliorer les rapports commerciaux, des organisations paysannes ont été établies. Et les chefs du village ont été impliqués. Cet homme-ci est un chef d'un village de la zone de Fenerive Est. L'établissement de ces centres d'accès au marché faisait partie de la passation aux producteurs du processus même de vente. Ces centres ont des points de collecte où les producteurs peuvent amener des litchis pour être ensuite acheminés en ville par les collecteurs qui travaillent pour les exportateurs. Je suis l'agent qualité des litchis ici dans la campagne pour assurer l'acheminement des productions en ville. On attend ici les collecteurs pour vendre leur litchi des producteurs. Dans ce village, les litchis sont collectés par l'exportateur M. Rosin, propriétaire de la société RXP.
tirna la il je non de flit chine.